Pourquoi ne pas profiter de l'automne pour faire quelques balades en forêt? 2011 est l'année internationale de la forêt, comme l'a décrété l'Assemblée générale des Nations unies. L'occasion pour le ministère de l'Agriculture de communiquer sur les richesses forestières françaises et de rappeler que nos forêts constituent un patrimoine à part entière. En France, les forêts couvrent 28% de notre territoire en métropole. Ce sont des réserves inestimables de faunes et de flores, 136 espèces d'arbres, 15 000 variétés de champignons, 120 espèces d'oiseaux et 73 de mammifères. Alors l'automne est la saison rêvée pour s'y promener. Sur le site de l'ONF, l'Office national des forêts, vous trouverez plusieurs idées de balades, les informations concernant les cueillettes, car par exemple, la cueillette des champignons est tolérée, oui, tous les jours, sauf les mardis et jeudis, elle doit être destinée à une consommation familiale. Je vous suggère quand même de prendre un guide, surtout si vous décidez de découvrir la forêt en famille. Les enfants seront plus attentifs et apprendront à reconnaître et à distinguer un érable d'un orme, d'un tilleul, d'un marronnier ou encore d'un ginkgo biloba. L'occasion de contempler les saisons et de les regarder changer. Enfin, ils pourront ramasser les feuilles d'automne et faire leur traditionnel collage. Toutes les informations sur le site de l'ONF, www.onf.fr.